Alors Maxime, tu es avec Samuel Tidjo Pro que tu suis sur Facebook. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, disons, je suis vraiment très ému. Ça dit pas la performance intellectuelle. Ça dit tout ce que nous réussissons à faire intellectuellement, grandir, mûrir. Les exercices de Samuel et tout le reste. Tu apprécies. Mais les gens disent que nous sommes les bandits, mais toi non, tu m'as remarqué. Donc, j'étais surpris. Tu apprécies. Sur Facebook, vous et le docteur Claudel. Donc ça veut dire qu'on peut continuer ce qu'on fait alors. On peut continuer. On n'est pas les bandits. C'est pour laquelle je me suis inscrit au CENIC. Au CENIC, c'est tant mieux. De mon côté, j'essaie de vendre ce que je reçois comme connaissance à ma caméra. C'est important. Laisse un mot pour ton grand frère Claudel. Je vais le saluer de ta part parce que je vais sur Yamde. Je vais lui remettre la vidéo personnellement et peut-être qu'il va faire une petite vidéo. Toi, salut, il va t'envoyer ou qu'il va poster. Je suis un jeune Camerounais qui se bat, n'est-ce pas, qui travaille comme vigile. Et je te suis en permanence sur Facebook, tes différentes formations, tous tes enseignements. Et de mon côté, j'essaie de faire de mon mieux, n'est-ce pas, dans mon entourage, pour également faire vendre ces compétences intellectuelles que tu nous transmets chaque jour, cette âne, cette rage de réussir, n'est-ce pas, de mon côté, à tous mes collègues, à tout le travail. Voilà, oui, c'est un peu ça. Donc, en avant. D'accord. Ok, le bro Claudel, toi-même tu sais, voilà, il a dit qu'il apprécie le grand frère, il m'a remarqué, il suit également Samuel Pro. Je ne pouvais ne pas prendre son petit témoignage parce que comment on nous fait bouffer les tontines tous les jours. Coucou Maxime, comment tu vas? Je viens de recevoir ta vidéo de Samuel et ça m'a beaucoup marqué de savoir que ce que nous faisons au quotidien t'apporte un plus dans ton activité. Ne lâche rien mon frère. Il faut tout donner, il faut se battre, il faut travailler. Lorsque je serai à Douala, je te fais la promesse que je vais venir te rencontrer sur place pour que nous puissions discuter et voir comment nous pouvons apporter notre minuscule plus-value afin que cela te permette de pouvoir progresser dans ton activité. Reste fort, mon frère.